quelques jours avant le décès de Rabbi Israël Odessa. Alors, j'avais un ami qui devait se marier. N'aie pas peur, il a la bataille. J'avais un ami qui devait se marier, il s'appelle Ilan Boubout. Et on est parti ensemble chez Rabbi Israël. Il y a un sujet d'accompagner le marié pour le protéger. Alors, je suis allé avec lui. Et on est allé voir Rabbi Israël. Rabbi Israël, il se trouvait chez David Boudara, à Givat Mordechai. Quand on est arrivé, Rabbi Israël, il était assis sur le lit. Et il y avait une bassine pleine de sang, avec des mouchoirs pleins de sang qu'il avait craché. Alors, on a vu ça. Moi, je me suis mis de côté. J'ai lu le Tikkun HaKlali. Et peu de temps après, la fille de Rabbi Israël a vu dans quel état son papa se trouvait. Alors, elle est piquée de lui. Alors, elle a appelé l'ambulance. Bon, moi, on n'est pas tellement dans ce derrière-là, dans ce chemin, mais parce qu'on savait que c'était pas sa volonté d'aller chez le docteur. C'est une chose qu'on savait. Alors, quand ils sont arrivés, l'ambulance, les ambulanciers, quand il les a vus, Rabbi Israël, il a levé les bras, il a dit, comme pour dire, qui c'est qui les a appelés? Je ne vais pas aller avec eux. Mais ils sont venus, ils l'ont pris, il est parti après eux. Et quand il est arrivé là-bas, sur place, alors il y avait donc la fille de Rabbi Israël, il y avait Uri de Meron, c'est un copain, un ami à nous, et moi, et le docteur, il a dit que c'est un état final et qu'il faut que Dieu préserve lui couper la jambe. Parce qu'il était, sa jambe, elle était noire, il avait la gangrène. Il avait déjà à peu près 100 ans, Rabbi Israël déjà. Et nous, on s'est opposé à ça. On voulait pas du tout entendre parler de ça. Parce qu'on savait que c'était pas du tout sa volonté, tous ces petits coulimes-là, toutes ces choses-là. Alors, après, il y a un moment qui s'est passé. À un moment, j'étais derrière le rideau, je lisais des psaumes pour sa guérison. Et j'ai entendu qu'il a commencé à hurler, il a crié ce qu'il voulait, comme pour dire sortez-moi d'ici, il voulait sortir de là-bas. Comme si quelqu'un il voit l'ange de la mort en face de lui, comme ça j'ai ressenti. Alors il a crié comme ça, alors ça m'est revenu comme ça en tilt, des paroles qu'il m'avait dit à peu près 2 ans auparavant. Il m'avait dit protège-moi des docteurs, ils veulent me tuer. À toi il t'a dit ça? Ouais, il m'avait dit ça à Tzfat chez Yitzhak Jaoui. Je me suis rappelé de ça. Alors tout de suite j'ai ouvert le rideau pour voir qu'est-ce qu'ils lui font, qu'est-ce qui se passe et tout. Alors tout de suite la sœur de l'hôpital m'a dit qu'est-ce que tu fais ici, elle m'a dit de sortir. Alors, je suis sorti à l'extérieur, donc on n'avait pas tellement la possibilité de faire beaucoup de choses. Et c'est la sœur, c'est là qui s'occupe dans l'hôpital. L'infirmière. On est pour la sœur. C'est l'infirmière. Ah, c'est des mots. Ouais. La sœur, parce que la sœur. L'infirmière, nous a dit de sortir. Elle m'a dit de sortir. Plus tard, on rentrait au fur et à mesure, alors j'ai eu une possibilité de rentrer. Alors j'ai lu Rabbi Israël, il était comme ça, torse nu, plein de plaies sur lui. J'ai vu son état, j'ai voulu le réjouir, me sortir de cette situation-là. Alors je lui ai dit le pétek de Rabbi Nachman. Il m'a été très difficile de descendre vers toi, mon cher élève, pour te dire que j'ai pris plaisir à ton service. C'est sur toi que j'ai dit, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Messie. Razak Vematz, Babodatra, renforce-toi dans ton service. Naamat Nachman, Nachman, Nachman. Et par ça, je te dévoile un secret. C'est sur toi que j'ai dit mon feu brûlera jusqu'à la venue du Messie. Et quand j'ai lu ça, je lui ai dit jusqu'à la venue du Messie, alors il est revenu sur les mots, jusqu'à la venue du Messie. Adiat Amashiach. Comme pour renforcer notre foi dans ça, que les paroles de Rabbi Nachman, c'est des paroles qui sont véridiques et que ça va se passer comme ça.
Même si de nos yeux, on voit des choses dans un sens différent, parce qu'on a l'impression que tout va de travers, puisqu'il est à l'hôpital et on dirait que bientôt il va décéder. Mais c'est comme pour nous renforcer dans cette foi-là que, en effet, le feu de Rabbi Nachman il continue, par l'intermédiaire de Rabbi Israël, de se dévoiler dans le monde. Et on voit, c'est vrai qu'on voit qu'après que Rabbi Israël a été décédé, il est décédé, il y a une grande publication des livres de Rabbi Nachman, une chose qui a jamais existé, des millions de livres déjà de Rabbi Nachman qui se trouvent partout. Et ça continue encore. Et tout ça se fait par le biais de Rabbi Israël Odesser, qui est, comme on dit, le petit feu de Rabbi Nachman. Continuer la diffusion et le dévoilement du juste dans le monde. Et après... Après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, après, quand je lui ai lu le Pétek, donc il nous a dit comme ça. Hein. Donc, voilà. Après, moi, je voulais rentrer chez moi. Je voulais retourner chez moi. Non, cette nuit-là, on n'a pas pensé de rentrer chez soi. C'était Yom Rivi, l'El Khamishi. Il arrivait Yom Rivi, l'El Khamishi, à l'hôpital. Donc toute la nuit, on a passé avec Rabbi Israël, on était à ses côtés. Alors plus tard, on arrivait, quand ils l'ont monté en haut, dans la chambre d'en haut, déjà ils l'ont attaché, ils ont mis déjà les fils dans le nez avec, pour lui donner l'oxygène. C'est. Il était comme ça, et à un moment il a voulu parler, alors moi j'ai eu peur, et non, c'est plus tard dans la nuit. Il y a eu plusieurs choses qui sont passées dans la nuit. Moi j'ai commencé à lui parler de moi, que je me suis rapproché de Rabbi Nachman, toutes sortes de choses qui sont propres à moi. Il y avait des choses qu'il était content, il y avait des choses moins. Et à un moment, j'ai fait un pidyon, c'est-à-dire j'ai fait un pidyon, c'est-à-dire j'ai fait, comment dire en français, le rachat de l'âme par la tzedaka. Alors j'ai lu avec lui le pidyon. Yiratson, Yifanecha, Shimteku, Adinim, Vagourot, que ce soit la volonté de Dieu, que toutes les sentences rigoureuses elles soient annulées d'un tel, c'est-à-dire je lui ai dit mon nom. Et je lui ai dit, et lui il dit après moi les mots, mot à mot. Alors que dans la dernière période de sa vie, Rabbi Israël, il ne voulait pas recevoir de pidyonot, parce qu'il a dit. C'est qui peut faire des pidyon, là, que Rabbi Nachman. Mais là, à l'hôpital, j'ai osé lui demander. La dernière période de sa vie, il ne recevait pas de pidyon. Il disait, qui c'est qui peut faire un pidyon? C'est que Rabbi Nachman. Alors je lui ai lu, après je lui ai dit, je remets l'argent à Shimon. Il m'a dit oui. Il m'a fait en signe oui, comme ça. Il voulait l'entendre. Après, plus tard dans la nuit, le Khatan, il est arrivé, le marié, il est arrivé avec comme ça, Rabbi Israël, il a vu, il était très content à son visage. Il est arrivé, son visage, le visage de Rabbi Israël, il était très rayonnant, il était très content de le voir. Et plus tard dans la nuit, il y avait un copain à nous qui est venu et qui a commencé à réjouir aussi Rabbi Israël, il a commencé à prendre son pied, à lui masser le pied. Il a dit toutes sortes de paroles, il a dit. Ils vont voir les docteurs comment ton pied revit et que tout se passe bien et que tout repart. Ils vont être, tout le monde va être étonné. Il a commencé et il est très joyeux de ça. Malgré qu'il était dans un état comme ça, ça l'a beaucoup. Même si on faisait presque rien, mais ça lui donnait de la joie et on faisait comme ce qu'on peut. Alors chacun, à un moment, il prenait un petit peu le pied. Chacun, il essayait de faire quelque chose. Si on peut faire quelque chose, on pouvait rien faire. Il était. Et plus tard dans la nuit, à un moment, il a voulu comme parler, il a commencé, comme s'il voulait dire, je ne sais pas s'il voulait parler, mais il a commencé à prendre les filles, il a commencé à les enlever de son nez, comme ça, à les tirer. Et moi, j'ai eu très peur quoi, de ça, de ce comportement. Alors, je suis allé appeler l'infirmière est venue, et après, ils l'ont attaché les mains, après il était plus, c'était dur. Donc comme ça, on a passé la nuit, comme ça. Et
le lendemain. Le lendemain, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. C'était déjà. Je ne me rappelle plus la vérité, c'était jeudi ou vendredi. Le lendemain, il y avait beaucoup de choses. Rabbi Israël voulait sortir de l'hôpital, mais il y a une personne qui voulait prendre ça sur lui. Parce que dans l'état dans lequel il se trouvait, il y a des gens qui ont essayé de faire des choses, mais les docteurs ils se sont opposés, ils n'ont pas voulu. Et même, il n'y avait pas la possibilité de sortir. Et quelqu'un qui a voulu le sortir, qui est venu voir Rabbi Israël, il a dit « Je suis avec vous, Rabbi Israël ». Il a dit « Non, t'es pas avec moi ». La veille, c'était le soir, il avait dit « Non, t'es pas avec moi ». C'est-à-dire, comme pour sous-entendre, si tu ne me sors pas d'ici, tu n'es pas avec moi. C'était la première fois qu'il a la nuit quand il arrivait. Alors, voilà, dans le courant de la journée, il y a eu toutes sortes de choses qui sont passées. Après, moi j'ai voulu rentrer, j'ai voulu faire Shabbat à la maison, il y a un copain qui m'a dit « Non, reste avec nous et tout, reste Shabbat ». Et alors, j'ai accepté, je suis resté. Je suis resté, alors on a fait comme ça Kabbalat Shabbat avec Rabbi Israël, on était à Minyan comme ça, à l'hôpital. Il y avait dizaines de personnes quoi, qui étaient sur place, qui sont restées avec Rabbi Israël, à peu près comme ça. Même la fille de Rabbi Israël est restée à l'hôpital. Elle nous a raconté des belles histoires sur du vivant de Rabbi Israël, ce qui s'est passé de son vivant. On a fait Kabbalat Shabbat, on a chanté Shet Chaim, le chant de Shet Chaim. Et avant l'entrée de Shabbat, j'ai lu à Rabbi Israël plusieurs du Sefer Midot. Et il y a eu des choses sur lesquelles il m'a fait des signes avec les yeux. Des choses qu'il faut faire attention à ça. Une des choses, c'est qu'il faut honorer les enfants du tzaddik. Alors il m'a montré, il avait des signes comme ça, de faire attention à ça, d'honorer les enfants du tzaddik. Et une autre chose, je ne me rappelle plus exactement. Il y a encore autre chose. Et après, on a fait Kabbalat Shabbat, on a chanté, on a fait comme ça, les Shet Chaim, dans la joie, on a essayé de remonter l'atmosphère, que ce soit dans la joie. Donc on a passé la nuit de Shabbat, on a dormi à l'hôpital. Le lendemain, pendant Shabbat, il y a eu des gens qui ont commencé à arriver, même d'endroits plus loin, ils sont venus à pied, des gens qui sont, pendant Shabbat, ils sont arrivés à l'hôpital, des gens qui sont venus de Jérusalem, mais de beaucoup plus loin. Et ils ont ressenti un grand rapprochement avec Israël parce qu'à des moments, il leur tenait la main très fort, toutes sortes de. Ou il leur levait la main, et toutes sortes de choses comme Israël a renforcé des gens à ces moments-là. Même. Je sais pas, ça doit être vendredi, les petites filles de Israël, elle a commencé à. Ce que j'ai vu, c'est qu'elle a commencé même à rentrer dans la. À faire teshuva. Hein. Dans cette période-là aussi. Que Rabbi Israël était à l'hôpital et tout. Il y a eu un grand réveil de Teshuva autour de Rabbi Israël. Et puis j'ai vu pour la première fois le vrai pétek. Si pour la fille de Rabbi Israël, elle nous a montré le pétek. C'était la première fois que je le voyais, le vrai. Elle l'a amené à l'hôpital. Moi, je l'ai vu. Et après, Motzei Shabbat. Moi, j'avais voulu aller me coucher. Au moment, j'ai pris un matelas, je me suis mis dans le couloir de l'hôpital. Dans le couloir. J'ai dormi comme ça, je ne sais pas combien de temps, une heure, je ne sais pas combien de temps. À un moment, un des docteurs, il me dit « Qu'est-ce que tu fais ici sur le couloir, dormir comme ça et tout ? On ne dort pas dans le couloir et tout, on m'a réveillé. » Alors, j'ai pris le matelas, je suis allé le mettre ailleurs. Et en passant, je suis passé par la chambre où il y avait Rabbi Israël. Et je voyais deux copains qui lisaient Rabbi Israël, c'était les contes, il me semble, de Rabbi Nachman. Rabbi Israël était allongé avec les yeux fermés, je ne me rappelle plus exactement, à peu près comme ça, même pas passif. Je suis passé, je suis allé sur le balcon, me reposer comme ça. Je ne me rappelle plus s'il y avait le matelas déjà, mais je suis allé me reposer sur le balcon. Et peu de temps après, en peu de temps, l'infirmière me dit « Qu'est-ce que tu fais ici, vas-y ?» Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était le moment du décès de Rabbi Israël, parce que ils ont fait partir tout le monde, le docteur il disait à tout le monde de sortir et tout ça. Il y en a un, quelqu'un qui s'est planqué derrière le rideau, c'était Shimon et tout dit. Il y en a un qui s'est planqué sous le lit de Rabbi Israël.
c'est Khabib, il est au Khabib. Il est au Khabib ? Il s'est planqué sur le Grand Israël. Il fait des livres français, ouais. C'est vrai ? Ouais, il s'est planqué sur le Grand Israël. Il connaissait Grand Israël, lui ? Ouais. Il s'est planqué sur le lit, Shimon derrière le rideau. Je suis sorti dehors, il y avait tout un plein de monde, ils faisaient des petits qu'on a fait aller à l'extérieur et tout. Moi, j'ai commencé à comprendre que c'était la fin, quoi. C'était... Alors, j'ai voulu retourner, quand j'ai voulu, à l'extérieur des gens qui faisaient même un recrut, pour être ma petite Claudine, cette sentence-là, il y en a plus à l'extérieur de ça, d'un petit recrut de quelques personnes comme ça. Donc, moi, je ne savais pas exactement quoi faire. J'ai attrapé ce que je pouvais attraper sur le chemin. Alors, j'ai dansé un petit peu avec eux, un petit peu pour être ma petite, pour adoucir cette rigueur-là. Peut-être qu'il va revenir à la vie, hein, Israël. Et après, qu'il était en train de s'éteindre. Ouais. Et après, il y avait tout ça. Et donc la porte, elle était bloquée. Et à un moment, après, je suis passé par il y avait une chambre d'à côté. Je suis passé par la chambre d'à côté. J'étais un petit peu comme ça. Un des malades qui s'est plaint, qu'est-ce que vous dérangez et tout. Moi, je n'ai pas fait cas de rien, je suis passé par là-bas, je suis allé sur le balcon, par le côté de sa chambre. Et quand je suis arrivé là-bas, il y avait Lévi, Amos Lévi, et enfin quelqu'un, il était là-bas à l'extérieur, et ils m'ont dit. Qui Lévi Lévi de Tzfat. Amos Lévi de Tzfat. Le grand là. Non, quelqu'un qui rigole comme ça, un brestel, nanana. De Tzfat, Amos Lévi, qui est un peu âgé, il a fait tout un livre de Chidushim sur le Pétek. Alors il était là-bas, il m'a dit Kriyat Shema, il veut Kriyat Shema, il n'y avait rien à faire, alors c'était déjà la fin, j'ai fait Kriyat Shema. Là, j'étais complètement. C'est comme si tout le monde s'est inversé pour moi. Le tzaddik qui a quitté le monde, j'étais triste, j'ai pleuré, en pleurs, complètement déchiré de ça. Et voilà, et après, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qui sont passées, qui ne devaient pas se passer, mais on a des erreurs qu'on a fait dans avec le corps de Rabbi Israël, parce qu'il y a quelqu'un qui a entendu que Rabbi Israël, il voulait être enterré à Tibériat, un copain. Il a entendu qu'il voulait être enterré à côté de Rabbi Israël Cardona. Et il y avait quelqu'un d'autre qui avait entendu ça aussi, mais l'autre ne se rappelait pas de ça. Il ne se rappelait pas. Il y avait deux personnes qui étaient présentes qui avaient entendu ça, mais la deuxième personne, elle ne se rappelait pas de ça, quand Rabbi Israël avait dit ça. Alors ça veut dire quoi? Ils s'en rappellent ou ils ne s'en rappellent pas? Il y en a un qui s'en rappelait, l'autre ne s'en rappelait pas. L'autre, il était présent aussi, mais il ne s'en rappelait pas. Il était présent dans quoi? Dans ça, quand Rabbi Israël avait dit ça, dans cette discussion-là. L'autre, il se rappelait qu'il était là. C'est-à-dire celui qui se rappelait, il a dit que lui il était là, mais l'autre il se rappelait plus qu'il était là. Donc l'autre il a dit, moi j'ai jamais entendu ça. Oh, il s'est pas rappelé de ça. Il a dit, j'ai jamais entendu ça. Ouais, il se rappelait pas. Pas mal plus. Il se rappelait pas d'une chose pareille. Il a ouais. pas entendu cette discussion. Ouais. Peut-être que l'autre il l'a pas vu aussi. Voilà. Il paraît qu'il a parlé de la façon de comment faire avec son corps et tout. Le tremper dans le lac, le Sibéria, toutes sortes de choses. À Yacob Lévi, d'après. C'est Yacob. Yacob, l'autre, c'était Ouri de Méron, il ne s'est pas rempli de ça. Et nous, il y a eu beaucoup de désordre qui s'est passé en le corps d'Arbre Israël. Et ça, quand j'ai vu ça, c'est-à-dire que moi-même, que Dieu me pardonne, j'étais aussi dans tout ce désordre-là qui s'est passé avec le corps d'Arbre Israël. Et je suis désolé parce que j'ai fait beaucoup de. Parce qu'on était complètement embrouillés, on faisait beaucoup de bêtises. Et finalement, il a été enterré là où il voulait être enterré, c'est-à-dire là où, à côté, l'endroit qu'il avait déjà payé, c'était à côté de sa femme. C'est là qu'il a été enterré. Mais pour nous, c'est sûr que c'était beaucoup mieux, puisque on peut arriver sur sa tombe et prier, alors que la Tibériade, tu sais que ça arrivait là-bas. Une fois tous les. Je sais pas combien de temps. Mais quoi, et sa fille, elle disait rien, hein, tout ça? Parce que j'entends les travers et les sa fille. Elle, le soir, c'est comme ça qu'il voulait mon père. Tout de suite,
tout de suite après que Rabbi Israël est décédé. Alors elle a demandé, il y a quelqu'un qui sait ce que Rabbi Israël a dit, où est-ce qu'il voulait être enterré. Alors il y en a un qui est arrivé, il est pas, c'est pas un des élèves de Rabbi Israël directement, il n'est pas directement, il est dans le même, presque, si on peut dire, dans un autre groupe. Mais il venait chez Rabbi Israël, il respectait Rabbi Israël, il se considérait pas comme dans notre groupe, quoi, si on peut dire. Quelqu'un de Tzfat, Maïmoni, tu vois ce qui? C'est un rave, il donne des cours à. On voit dans les rabbinim de Breslev qui donne des cours à Oman, qui croit. Alors lui, quand la fille de Rabbi Israël a dit est-ce que vous savez où est-ce qu'il a dit qu'il voulait être enterré, alors il a dit je ne veux pas dire la médisance, mais il a dit Arazetim. Je savais que c'était faux. Rabbi Israël n'a pas dit une chose comme ça, mais lui, comme il avait une bonne pensée, parce que Arazetim, c'est de là-bas que la résurrection des morts, elle commence. Donc c'est le meilleur endroit pour quelqu'un d'être enterré là-bas. C'est le plus proche, c'est le moins de souffrance. De tous les niveaux, c'est le mieux pour être. Donc c'est le mieux toujours d'être enterré là-bas. Et lui, il a dit ça, j'ai compris que c'était parce qu'il voulait le bien de Rabbi Israël. Mais c'est pas ce qu'il a. Je serais certain qu'il n'en a pas parlé de ça. Alors, c'est comme ça, après, il y a eu toute la nuit qui s'est passé, qu'il était là-bas, et le lendemain, et la levaya était énorme, il y avait toute la charrue, c'était plein, c'était noir, c'est plein de. Ouais. C'était une levaya de folie, c'était plein. C'est étonnant, hein, qui aurait pensé, parce que nous, on s'imagine Rabbi Israël, qui sait qu'il reconnaît, qui est autour de lui. En réalité, tout le monde savait que Rabbi Israël était un grand sadique. Simplement, avec le Pétek, ils avaient du mal, les gens, à recevoir l'histoire du Pétek, tout ça. Mais les gens, ils l'ont connu, ils savaient que c'était quelqu'un de très grand. Même dans Breslev, tout le monde, personne ne conteste ça, que Rabbi Israël, c'était quelqu'un de grand, de très juste, un grand sadique. Il y en a qui ont des problèmes avec le Pétek. Rabbi Israël lui dit qu'il a reçu un Pétek de Rabbi Nachman. Ils disent que c'est un homme simple qui est naïf. Un homme simple, il n'a pas une telle éveil. Non. Ils disent c'est un sadique naïf. C'est où un homme simple? Parce qu'il est simple, alors. Pas simple, ils disent sadique naïf. Mais non, il n'y a pas de sadique naïf. Ils appellent ça tamim. Sadique tamim. Non, quelqu'un qui croit. Non, ça c'est des choses. Un sadique ne peut pas être comme ça. Il ne peut pas être abruti. C'est pas de la naïveté, ça c'est de l'absurdité. C'est comme ça, il y a des gens qui disent. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que ces gens-là qui pensent comme ça. Il a quand même une très grande évaïa, tu me dis que c'était noir de monde. Ouais. Combien de personnes? Il y avait dans les journaux, il parlait de ça, c'était une évaïa énorme. Ah bon? Il y a les évaïas en vidéo. Ah ouais? Ouais, alors tu l'as vu? Ouais. Tu l'as sur le site, non? Possible. Et voilà. À la fin, pour un à la fin. Ah, mais vous faites, il est tenté là, mais vous faites. Ah, c'est comme ça. Mais c'est pour je reviens avec ça. Comment ça se fait qu'elle laisse les gens prendre. Généralement, quand il y a un décès, tu dis après 120 ans pour chacun d'entre nous. Mais c'est les enfants qui s'occupent des parents, c'est pas les copains, les amis, les connaissances. Peut-être qu'il lui a donné des instructions. Je sais pas s'ils savent quelque chose de ça. Ah, moi, on était là-bas. Dans la Levaya, je sais pas s'il était au Canada, je sais pas s'il était dans la Levaya. Bah, il a dû venir, même s'il était au Canada. Je sais pas. Il a pu voyager. Je pourrais qu'un point tout à l'hôpital, certainement. Lui, je sais. Mais à l'hôpital, il n'était pas là-bas. Je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas, je ne connaissais pas très bien. Abraham Horowitz, le petit-fils de Rabbi Israël, je ne l'ai presque pas connu du vivant de Rabbi Israël. Juste une fois. Au milieu de la nuit, quand j'étais avec Rabbi Israël pendant une semaine, peut-être une semaine, parfois j'étais une semaine avec lui, une fois quelques jours, comme ça. Une fois j'étais comme ça chez Uri pendant une semaine, à peu près, comme ça. Et au milieu de la nuit, comme ça, il y a deux personnes qui sont arrivées sur Rabbi Israël, que je ne connaissais pas du tout, des chassidim, en général, les gens qui étaient autour de Rabbi Israël, c'était des valets de Chouva plus. Deux chassidim qui sont arrivés comme ça. Je ne savais pas c'était qui ces gens-là, et j'ai vu que Rabbi Israël, il a commencé à parler avec un. Avec beaucoup de chaleur, il a dit, je veux que tout le monde, il a dit aussi après, il y a un moment, je veux que tout mon argent, il soit que pour toi. Après j'ai demandé, c'est qui? C'est toi là? On m'a dit, c'est Abraham Horowitz, le petit-fils de Rabbi Israël. Il a dit, je veux que tout mon argent, il soit que pour toi.
Ah, comme ça, il dit. Ouais, c'est vrai. J'ai entendu ça de l'oreille. Je l'ai dit, j'étais avec. Tout mon argent, il soit que pour toi. C'est pourquoi il soit que pour toi. T'as pas entendu. C'est comme ça que j'ai entendu. Non, mais le début, t'as pas. J'ai pas entendu. Je ne comprenais pas tout ce qu'il disait, mais ce que j'ai entendu, un nid, tu sais, j'ai col casse et. Ça, j'en ai entendu. C'est un hébreu ou un dit je parle. Non, on lui dit je connaissais pas. C'est ce qu'on sait, j'ai quoi le casse-pied après. C'est ce qu'il sait faire. Ah, après, c'est. Après, j'ai demandé. C'est qui cette personne là qui a envie de faire toute cette importance. C'est tout l'argent. Donc, Madaï, pour Israël, il avait préparé ce plan depuis longtemps et tout. Il pouvait avoir un grand bilboule, un grand embrouillement autour de ça, mais il savait qu'il avait déjà tout préparé d'avance. Il avait fait il y avait un testament déjà qui était prêt, et dans le testament tout est clair, tout est écrit clairement, que, de façon lucide, il remet tous ses biens à son petit-fils, à Mamrovitz et à ses enfants. Que tout, donc c'est des choses qui ont été écrites. Après, il y a des gens qui ont essayé de remettre ça en. Non, mais il donne ça pour le tous. Qui? Mais il a eu confiance en eux. C'est-à-dire qu'ils fassent ce rôle. Et il faut comprendre, parce que d'un côté, Rabbi Israël, il disait, parce que c'est sûr qu'on a, on dit l'impression des livres, l'impression des livres. Fais attention, c'est. D'un côté, Rabbi Israël, il disait, je veux que, c'est-à-dire, tout celui qui a une prouta de Tzedaka, c'est ça, rien que pour la diffusion des livres de Rabbi Nachman. Quand Michel Chou est de Pouta, j'ai la passade de Rabbi. Soit pour la diffusion de livres de Rabbi. Comme ça, magique. Ouais, soit pour les livres de Rabbi. Mais d'un autre côté, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en pitié quelqu'un qui est dans le besoin. Il faut comprendre aussi, parce que moi aussi, une fois, j'étais au côté, j'étais avec Rabbi Israël, et je vois quelqu'un, Rabbi Israël lui a donné 100 shekels en main. Un mendiant. Donc, c'est un mendiant bracelet que je connais, qui est décédé lui aussi. C'était Nachman Roussicha. Ah ouais. Alors, donc j'ai vu. Si c'est que ça, que le tous. Alors que le tous, non. C'est-à-dire que ça aussi, c'est-à-dire les ignorimes de Rabbeinu, ça fait aussi partie aussi. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Tu comprends? Et les ignorimes du tzadik aussi. C'est, le tous, c'est bien, mais une machine à imprimer, ça ne mange pas, tu vois. Il y a des madames, il y a un Chirabeno. Il y a le Derech Rabbi Israël. Lui-même, il raconte beaucoup d'histoires. Combien il faut prendre pitié si on a un Khaber qui est dans le besoin. Combien d'histoires que Rabbi Israël a raconté? Ah, il raconte pas comme ça, Rabbi Israël? Bien sûr, beaucoup d'histoires que Rabbi Israël parle de ça. Il parle de quelqu'un qui était Breslev, qui n'a pas pris Rabbi Israël en pitié. Il a dit il avait un grand magasin de boissons, de trucs, il vendait des boissons, et il est décédé jeune. Et Rabbi Israël était triste de ça, parce qu'il savait exactement que cette mission, c'est parce qu'il n'avait pas pris en pitié Rabbi Israël. Il était triste de ça. Il est décédé jeune, il a laissé des enfants orphelins, et toutes sortes de choses comme ça. Et la même chose sur d'autres aussi, d'autres Breslev aussi, il a dit sur un autre Breslev, il a dit, lui et moi, dans le sujet des Mounot Kozbiot, des fois mensongères, on est un dans ce sujet-là. On est d'accord, mais il n'a pas été secret dans le sujet de la tzedaka, de donner, de le prendre en pitié, et Rabbi Israël, ma situation, il aurait pu se renseigner sur ma situation, que je savais très bien que j'avais rien, que j'avais des enfants qui n'avaient pas de quoi manger, que j'étais. Donc, d'un côté, il y a le fous, la diffusion des livres, mais ça vient pas pour dire que s'il y a quelqu'un dans le besoin, il ne faut pas le prendre. Même si c'est pas un Breslev, il faut aller. Dans une histoire, c'est que dans un bête qui à Tzfat, ils étaient avec Rabbi Israël et quelqu'un qui a fait la Tzedaka dans le bête Knesset. Et les gens, les chavérines, quand ils ne l'ont pas donné. Rabbi Israël, comme s'il leur a donné un de casse, comme s'il était très sur eux. Et Rabbi Israël, il lui a donné, il leur a dit comme s'il faut. Comme j'ai compris, je ne vois pas qui était, mais. Comme si même tu vois quelqu'un. Oh, c'était pas.
crois pas sur quelqu'un qui prend, je sais pas quoi, mais tu vois quelqu'un qui n'est pas. C'est du même si quelqu'un n'est pas Breslav. Bien sûr, il y a une histoire. C'est que Rabbi Israël, dis, Rabbi Israël lui-même raconte une histoire de Rabbi Israël Cardona. Rabbi Israël Cardona, une fois, il y a quelqu'un qui est venu à Tibéria. Il est venu chez Rabbi Israël Cardona et il lui a demandé pour Hatnasat Kala. Il n'était pas Breslav, c'était un Litaï. C'était un Ger Tzedek. La personne, il voulait pour Hatnasat Kala, il est venu demander à Rabbi Israël Cardona de la Tzedekia. Il le prenait en pitié parce qu'il avait besoin pour marier, je ne sais pas si c'est sa fille. Et Rabbi Israël Cardona, il connaissait très bien l'importance du Dfus, puisque lui-même, il imprimait des livres de Rabbeinu avec don de lui-même, à une période où c'était interdit de lire les livres de Rabbeinu. Il faisait don de sa vie pour ça, pour imprimer les livres de Rabbeinu, de sa famille, de tout ce qu'il avait, C'était presque de la folie à cette époque d'imprimer des livres, puisque tu imprimes des livres et c'est interdit de les lire. Tout le monde disait que c'est interdit de lire ces livres-là, à l'époque. C'est une musique, hein? Non. Alors. Plaisanté quand même. Alors, il n'était pas du tout Breslav, Elle n'était pas Breslav, cette personne. Il vient plus maintenant. Parce que j'ai plaisanté, il ne va plus venir aussi, lui aussi. Alors, cette personne-là. Elle était pas Breslav. Et Rabbi Israël Cardona, il lui a donné une grande somme d'argent. Par sa providence, il a donné à Rabbi Israël Cardona, je ne sais pas comment, s'il a reçu une somme d'argent, une somme importante. Et toute cette somme-là, il a donné à cet homme-là qui a demandé de la tzedaka pour Hatnasat Kala. Il aurait pu tout garder pour la passade des gravés, puisque c'est le cas. Rabbi Israël raconte cette histoire-là. Il a dit, vous m'attendez au KSF, il a donné beaucoup d'argent, cette somme-là. Alors ce type-là, qui a reçu cette somme, il s'est dit, Rabbi Israël, ça doit être un millionnaire, qui lui a donné une somme comme ça. Alors Rabbi Israël, il lui a dit, je lui ai raconté quel millionnaire c'est Rabbi Israël Cardona. Ses enfants, ils décrochent, ils ont de quoi résister. Il a dit, je lui ai raconté quel millionnaire c'est. Alors il est parti à Jérusalem, il est devenu Breslav. Il a dit, c'est top, c'est Breslav. Rabbi Israël a raconté souvent cette histoire aussi. Ah, c'est bien, ça c'est bien, ça c'est Breslav. Alors, il est devenu Breslav à cause de ça, parce qu'il a vu le bienfait que c'est. Qu'est-ce que c'est bien d'être Breslav? Comme ça, d'avoir quelqu'un de bien, de bon. Alors, c'est ça. Donc, d'un côté, il n'y a que le pouce, que la passade des livres de Rabbeinu. D'un autre côté, ça ne veut pas dire que les livres de Rabbeinu, s'il y a quelqu'un qui est dans la détresse, alors qu'il se dépouille. Ouais, non. Et même Abraham Horowitz, il parlait de ça. Par exemple, quand il y avait le petit-fils de Rabbi Israël, il s'appelait Abraham Horowitz, il est décédé il y a quelques années. Quand il y avait les gens, ils allaient, les fitim, ceux qui diffusent les livres de Rabbi Nachman, ils sont allés pour diffuser les livres de Rabbeinu. Alors, à un moment, ils ont entendu, ils ont fait Abraham Horowitz, le petit-fils de Rabbi Israël, le Rabbi Abraham Horowitz, il a entendu qu'il y avait une des familles qui était dans la difficulté. Ouais. Il a dit à tout le monde, arrêtez la fatza, tout le monde arrête. Il faut aller aider cette famille-là. Il faut venir à leur. De les aider, d'arrêter la diffusion, rien que d'aider cette famille-là. Tout le monde connaît l'importance de la diffusion de l'œil de Rabbi Nachman. Mais si on n'a pas de quoi subsister, alors c'est pas ça le délire. Voilà, de vivre avec la Torah, pas de mourir.